Zetterlund reprendra Talvidi. Talvidi en se retournant, remise devant le tir. C'est stoppé par Primo qui vient stopper Studenick qui était en croisement dans le dos de Arnie Talvidi. Et les Comets menacent, mais Primo qui est alerte depuis le début du match. Il suit bien la trajectoire de la rondelle, se déplace bien dans sa peinture bleue. Et c'était une belle pièce de jeu de Talvidi qui s'amenait vers sa gauche et en voyant le joueur croisé dans son dos, lui a laissé du ravage. On revient à la ligne bleue pour Russo. Pointe gauche. Le lancer, oh, ça touche la barre transversale. Quel lancer. Il ne réussit pas à faire dévier. Clark pour Gambardella. Dans l'enclave. On laisse pour Studenick. Le tir, arrête Primo. Superbe arrêt avec le bouclier. Bien fruit. Agressif au dépens de foot. Il lui donne même un coup de bâton et un tir de la pointe qui a été dévié devant. Et ça se retrouve derrière Primo. Un autre lancer, un peu comme hier, sans avertissement, qui se retrouve au fond du filet. J'ai l'impression que c'est le capitaine Ryan Schmelzer qui sera crédité de ce but et ce sera son deuxième de la saison. Voyons voir un tir de la pointe et effectivement, passe devant, c'était pour Gauthier et le retour par la suite et on complète. Gambardella saute sur une rondelle libre, le disque qui a dévié sur Frédéric Gauthier et ça s'est retrouvé sur la palette de bâton de Joe Gambardella qui va venir doubler l'avance des Comets. Et pour Gambardella, ce sera un cinquième cette saison. C'est d'abord Groslo qui a envoyé un disque devant le filet. Gauthier a pris pas... ...mettre la machine en marche. Se déplace, bifurque vers sa droite. Paquette Bisson, en entrée de territoire, elle est solidement mise en échec par Ball. Dello va s'avancer à la gauche du gardien. Toujours Dello par l'arrière du filet. Le rondelle qui bondit devant le tir à la but! Jean-Sébastien D qui profite d'un rebond capricieux de la rondelle. Le disque revient dans l'enclave et loge ça dans la partie supérieure. C'est 2-1. C'est peut-être ce que ça prenait pour réveiller le Rocket. Un bon capricieux du disque alors que Dello a envoyé ça par l'arrière du filet. Le disque qui a touché la partie jaune de la bande. Et Martel va aller faire la course au disque. Ohotuk premier rendu. Les Comets tentent de dégager. À la pointe, ce sera bloqué par Ouellet. Mais Zetterlund va venir reprendre. Encaisse une seule mise en échec de Dauphin. Caulfield reprend à la gauche du gardien. Tente de passe devant le but! Le jeu se poursuit, mais la rondelle a bel et bien pénétré. Cole Caulfield va venir marquer son premier avec Laval et créer l'égalité. J'en suis pire de la saison et créer l'égalité 2-2. On disait que ce match-ci était spécial pour lui après ce qui s'est passé le week-end dernier. Et attention, non seulement il n'y avait pas d'angle, il était derrière le but. Et Daz trichait un petit peu vers sa droite. Derrière le but, à sa gauche, Caulfield est venu loger ce disque derrière l'épaule gauche du gardien. Et sur le flanc droit, est-ce qu'il va réussir à battre de vitesse son défenseur? Caulfield revient sur ses pas. Il est le long de la rampe, remonte jusqu'à la ligne bleue. Une passe vers Belpilio, puis à Ouellet. Ouellet à la droite du gardien, lancé, retour devant, la mêlée qui éclate. En début de troisième période. Ouellet vers Ullonen, lancé le but! Yes! Ullonen! C'est 3-2 Laval! Ouellet accepte la passe de Caulfield en plein milieu de la ligne bleue. Rejette à sa gauche vers Ullonen qui est installé au cercle gauche à la droite. Walsh, fin de tir, se ravise, laisse pour Studenick, transversal, vers Schnell, remise de l'autre côté, quel arrêt de Primo avec la jambière! Primo, premier rendu disque sera Schoeneman, une passe tentée, interceptée à la ligne bleue, un tir de Ohotuk et retour devant! Gumbergill, Caulfield s'amène, franchit la ligne bleue adverse, rejette en tourniquet derrière pour Schoeneman, coupe devant, Caulfield lancé à... Lancé rapproché. Attention, là, il y a devant le filet Clark qui coupe. Et bel arrêt de Primo! Et non, sur le retour, Clark qui saute sur le disque. La passe était parfaite de Gauthier vers Clark à la gauche de Primo. Ce dernier a complété son déplacement droite-gauche pour effectuer l'arrêt. Mais Clark n'a jamais abandonné sur la séquence. Et quel jeu de Gauthier. Avec une main, il a poussé la rondelle derrière Dello, l'a contourné, a remis le disque vers Clark.